Ouais, Clermont-Ferrand. Ouais. Attention, Damien Fachan, premier poteau. Ah, c'était pour Zakaria Grich, ça continue avec Timité. Timité du pied gauche, Grich qui laisse passer pour Jean-Jacques Rocky. Du pied gauche qui va frapper. Jean-Jacques Rocky, le ballon poussé de la tête par Medilina au-dessus du but de Paul Relais. Et des Dunkerquois avec Mazikou qui prolonge son effort. Dimitri Boudot pour Tchak Timité. Mazikou, Mazikou qui frappe et c'est directement dans les gants de Paul Relais. Grich, le voici qui récupère le ballon. Il a du mal, hein. Il tergiverse quelque peu. Oh, c'est une partie de billard, une frappe de Timité qui passe complètement à côté du but de Paul Relais. Enfin, je dis complètement, il est passé à 1 mètre. Hein. C'est quand même assez près, mais Paul Relais. Mais qui peut récupérer quand même ce ballon. Attention, on est resté aux avant-postes. Hein. Koné qui tourne sur lui-même, qui frappe du pied droit. Le ballon repoussé dans les pieds de Youssoufou Niakate. L'ouverture du score ici pour Boulogne. Youssoufou Niakate, 44e minute de jeu. Cette première mi-temps a été quand même dominée territorialement par les Dunkerquois. C'est le Muraglia, on joue bien en triangle côté boulonnais, mais cette fois-ci on perd le ballon. Et c'est Bradley Mazikou qui n'arrive pas à protéger ce ballon. Une frappe de Loïc Goujon directement au premier poteau. Il faut le pied. Il faut le pied de Jonathan Ligali. Bien joué, très belle passe de Gretoma. Bien joué là pour Livolant qui peut frapper. Pied gauche et le ballon qui frappe, me semble-t-il, l'arrête du but de Jonathan Ligali. À Jérémy Livolant face à Marc Fachon. Livolant, il préfère dédoubler avec Hassan Alla. Oh, attention avec Jérémy Wissmann qui a voulu servir son gardien de la poitrine. Boudou, un long ballon à destination de Boudiba. Attention, le ballon pour Damien Fachon. Oh, et Alexis Allard. Alexis Allard qui rate quasiment l'immanquable. Le but était vide. Bien Hamzaoui, on joue en appui avec Jérémy Livolant. Une frappe de Livolant. Et une nouvelle fois, Ligali qui relâche ce ballon un petit peu comme en première mi-temps. Allez, Jonathan Zakaria Grich au deuxième poteau pour un Marc Fachon. Et la tête. Oh, est-ce qu'il y a sauvetage? Un sauvetage de la main. Et c'est un pénalty. Un pénalty pour les Dunkerquois avec un carton rouge. Pour Junior. Un carton rouge pour Junior Senneville. Allez, Paul Relais face à Marc Fachon. Mais Paul Relais va l'arrêter. Allez, Polo. Trois pas d'élan pour Marc Fachon. Monsieur l'arbitre qui va siffler. Et Marc Fachon qui égalise en force. Un but partout ici au stade de la Libé. Et Marc Fachon qui va tout de suite voir les supporters dunkerquois. Et l'égalisation, hein, dunkerquoise. Est-ce qu'on va en rester là? En tout cas, on parle beaucoup avec monsieur l'arbitre. En tout cas, la force des Dunkerquois ce soir, c'est d'y avoir cru jusqu'au bout. Jusqu'au bout ici sur la pelouse du stade de la Libé.